Hello la Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on va parler de pourquoi il ou elle ne t'aime pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation où tu te demandes mais pourquoi cette personne ne m'aime pas? Moi je l'aime, alors pourquoi il ou elle ne m'aime pas en retour? Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime et mon compte OnlyFans. J'ai rejoint ces deux plateformes récemment parce que je ne peux pas poster de photos sur Instagram assez intéressantes comme du nu artistique, de la lingerie, sans me faire censurer. Donc si ça vous intéresse, vous avez envie de voir le petit côté grrr de Unmissable, et ben je laisserai le lien dans la barre de description juste en dessous. C'est là-bas que ça se passe, rejoignez-moi, c'est du lourd. Bref, place à la vidéo. On n'est pas là pour parler de ça, mais pour parler de pourquoi cette personne ne t'aime pas. Sushi, Sushi, s'il te plaît. Mon chien me fait des misères. Bref, c'est parti. Alors, malheureusement, on ne saura jamais vraiment pourquoi une personne ne nous aime pas. Il se peut y avoir tellement de raisons. Déjà, la personne est dans un mauvais jour. Il ou elle se met en compétition avec nous, donc il peut y avoir de la jalousie, un regret de ne pas avoir fait quelque chose que nous, on a fait, que nous, on a réussi. Ou tout simplement, cette personne a une intuition et elle a un mauvais feeling avec nous. C'est ok. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu ne mérites pas d'être aimé. Et ça, c'est très important. La question à te poser, ce n'est pas pourquoi cette personne ne m'aime pas, mais plutôt pourquoi est-ce que tu t'obstines à vouloir savoir pourquoi cette personne ne t'aime pas? Pourquoi tu t'obstines à être aimé par cette personne si elle ne t'aime pas? À la place, tu devrais vraiment chercher des personnes qui t'aiment, qui mettent de la valeur sur la personne que tu es, qui sont positives, qui sont good vibes, qui veulent passer du bon temps. Et tu devrais nier et mettre de côté les personnes qui ne t'apprécient pas pour je ne sais quelle raison, qui leur sont propres à eux. Chacun a ses choix, chacun a ses exigences, chacun a sa personnalité et parfois certaines personnalités ne collent pas. Certains moments, certains événements dans la vie font que certaines personnes ne t'apprécieront pas. Mais les personnes qui ne t'apprécient pas, mets-les de côté, ne t'en préoccupe plus. Ces personnes ne vont pas t'apporter d'expériences positives. Donc, next! Et quelque chose que tu dois absolument retenir, note-le quelque part, c'est que la validation de soi a beaucoup plus d'importance que la validation des autres. Tu dois cultiver ton amour-propre, tu dois cultiver le self-love, tu dois avoir confiance en toi, tu dois t'aimer, donc recentre-toi. Cherche à t'accepter comme tu es, avec tes qualités, avec tes défauts, avec ta personnalité, avec tes vibes, avec ton mood, avec tout ce que tu es. Et ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Cherche d'abord à te plaire à toi-même. On est dans une société où malheureusement, on cherche à être aimé des autres avant de s'aimer soi-même. Mais comment tu veux être aimé par quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas toi-même? Si tu ne t'acceptes pas toi, ta personnalité, tes valeurs, qui tu es? Il n'y a vraiment qu'en te recentrant sur toi-même et en t'aimant que les gens vont voir que tu as de la valeur. Et que cette valeur va augmenter à leurs yeux et alors ils vont commencer à t'aimer. Mais si tu ne t'aimes pas, si tu ne places pas de valeur sur toi-même, comment veux-tu que Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Micheline le fassent? Et sache qu'il y aura toujours des gens qui t'aiment pas. Et on ne saura jamais pourquoi. Même eux, s'il faut, ils ne savent pas pourquoi ils t'aiment pas. La vie est tellement courte. On n'est pas là pour s'entourer de gens négatifs qui ne nous apprécient pas, qui essayent de nous faire changer ou je ne sais quoi. La vie est tellement courte, c'est une expérience qu'on nous donne. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Il faut vraiment arrêter de prendre tout ça au sérieux. Quelqu'un ne t'aime pas? Très bien, next. J'irai m'entourer de gens qui m'aiment pour qui je suis. Donc arrête de chercher à plaire à quelqu'un à tout prix. Cherche d'abord à te plaire à toi-même. Et le reste, ça suivra. Du coup, voilà la Mifa, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâche un pouce bleu et venez me dire en commentaire si ça t'est déjà arrivé de chercher à plaire à quelqu'un avant de plaire à toi-même. Balance-moi ça dans les commentaires, je viendrai vous donner des petits conseils. Je vous répondrai juste en dessous. Et au passage, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. C'est mon seul réseau social, c'est là-bas où je suis la plus active, où je vous partage ma vie en story, au quotidien. Je réponds à vos messages. Bref, c'est là-bas que ça se passe. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.